Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Zoé Channel, vous qui nous suivez actuellement via la page Facebook du Révérend Prophète Ferdinand Ricamet. Je vous salue également à vous, chers auditeurs de l'OCFM. Bienvenue à cet espace spécial. Nous sommes là cet après-midi pour parler du culte des plaintes qui aura lieu ce dimanche 25 juillet 2021 à partir de 7h30, c'est à Yaoundé à la Bire, et dès 16h à Douala, la CBC Réma. Paroisse de Ndorbandéré, immeuble Camelet. Et pour revenir sur les différents services qui vont constituer ces grands événements, nous sommes avec le révérend prophète Ferdinand Ricamet ce matin. Nous allons dire un bonjour à l'homme de Dieu et lui souhaiter la bienvenue. Bonjour à vous, homme de Dieu, bienvenue. Merci, bonjour à vous et bonjour à tous nos téléspectateurs et à tous nos auditeurs aussi. Alors, c'est une annonce qui n'est plus une surprise. Vous avez fait savoir que désormais, les cultes de plainte à l'Éternel auront lieu tous les 3 mois à Réma Ministre Mission. Mm-hmm. Mais il faut dire qu'au départ, le culte de plainte était donc avec l'épicentre, disons, Yaoundé. Il a débuté en septembre 2019. Mm-hmm. Et s'il y avait déjà des cultes de famille, pourquoi avoir introduit le culte de plainte à l'Éternel? Voilà, vous savez que nous marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi et par la révélation aussi. Donc, lorsque le Seigneur donne une instruction à un homme de Dieu, alors il doit appliquer cette instruction-là. Il faut dire que le culte des plaintes, c'est toujours un culte de famille, mais en plus grand. Voilà, il est en plus grand. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on ne retrouve pas dans le culte des familles, c'est les plaintes à l'Éternel. Cette touche-là qui est exceptionnelle. Et vous verrez que dans toutes les Saintes Écritures, à chaque fois qu'un peuple ou qu'un homme s'est plaint vraiment devant Dieu, quelque chose a changé dans sa vie. Donc, les plaintes, il y a tout un livre pour les plaintes, les Lamentations de Jérémie. C'est un livre des plaintes qui montre comment il faut se plaindre devant Dieu. Et quand vous regardez en Israël, il y a ce qu'on appelle le mur des Lamentations, mais le mur des plaintes. Où tout le peuple d'Israël, lorsqu'il y a un problème, lorsque tu as un problème personnel ou familial ou bien dans tes activités, tu viens devant le mur des lamentations, te plaindre devant l'Éternel et crier jusqu'à ce que le Seigneur t'exauce. Donc je pense que c'est un peu cela, c'est amener à apprendre aux gens à crier à Dieu, à faire de Dieu leur source de délivrance, à mettre leur foi en Dieu, comme le Seigneur Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Donc, nous amenons le peuple de Dieu à avoir foi en Dieu. Donc, on peut dire que c'est là la différence qui est faite entre le culte de famille et le culte des plaintes. À savoir, dans le culte des plaintes, il y a les plaintes qu'on ne trouve pas dans les cultes de famille. Oui, bien sûr. Il y a un moment de plainte avec des formats, des silos, etc. Et tout ce qui accompagne le culte de plainte à Dieu. Justement, homme de Dieu, parlant des plaintes, quel est l'impact réel de la plainte par rapport à la prière sainte du chrétien? Bon, en fait, la prière peut paraître normale, ça veut dire que c'est quelque chose de normal, mais la plainte, c'est lorsqu'on en a ras le bol. La plainte, c'est lorsque tu n'en peux plus. La plainte, c'est lorsque tu es dépassé et que tu sens que si Dieu n'intervient pas là et maintenant, vraiment, tu es fini. Donc, c'est ça la plainte. Quand vous prenez, par exemple, dans la Bible, le cas de Yahvet, il s'est plaint devant Dieu. Donc, comme il y avait, pourquoi? Parce que dans sa vie et dans sa famille, rien ne donnait. Son nom signifiait la souffrance. Sa mère, son père avaient vécu, étaient nés dans la souffrance, ont vécu dans la souffrance, ses frères et sœurs. C'était la souffrance. Personne ne s'en sortait. Personne n'avait réussi. Personne n'avait jamais construit une maison dans sa famille. Personne n'avait jamais acheté une voiture dans sa famille. Personne n'avait jamais accompli ce qu'un homme normal doit accomplir dans la vie ici-bas. Alors, j'avais cet arrêté, il a dit non. Je veux me plaindre devant le Seigneur par rapport à ma famille. J'amènerai le cas de ma famille devant l'Éternel et mon Dieu m'exaucera. La Bible dit que lorsqu'il se plaint, se plaindre, c'est faire la clé 14 à Dieu. Peut-être les gens ne comprennent pas l'impact de la plainte. La plainte, Dieu lui-même a dit, venez, plaidons ensemble, venez, plaidons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, seront blancs comme la neige. Donc la plainte fera que ce qui était rouge comme le cramoisi devienne blanc. Donc, c'est l'exaucement. Donc, on se plaint quand c'est sérieux. Et est-ce qu'on peut prendre pour des nombreux cas de plainte celui d'Agar, par exemple, qui s'est retrouvé avec son fils, mais avec ses pleurs qui ont été insistants, l'Éternel. Mais ce n'est pas un exemple parfait de plainte. On peut prendre, par exemple, Anasilo, qui allait se plaindre devant Dieu à cause de la souffrance que sa coépouse lui faisait vivre.
Et à cause du nombre d'années qui s'accumulaient, sans qu'elle n'ait d'enfant, pourtant, elle était une femme juste, une femme intègre et une femme pieuse. Et que les promesses de Dieu disaient, il n'y aura pas de femme stérile en Israël. Mais elle, elle était pieuse et elle était stérile, on se moquait d'elle. Et Dieu l'a dit, je n'en peux plus, j'irai me plaindre devant l'Éternel. Donc, quand c'est fort, tu viens te plaindre. Mais si tu peux encore gérer ton problème, le résoudre, ne viens pas au culte des plaintes. Le culte des plaintes, c'est pour ceux qui sont arrivés à la croisée des chemins. Ils sont arrivés au bout de leurs efforts. Ils ont tout fait, rien n'a marché et ils comprennent qu'ici, il n'y a que Dieu. C'est eux qui sont concernés par le culte des plaintes. Voilà, dans ce culte des plaintes, il faut dire qu'il y a aussi la consécration des familles à l'Éternel. Et chacune de ces familles doit se présenter avec son offrande de consécration familiale. Pourquoi faut-il avoir une offrande de consécration pour être consacré à l'Éternel? Déjà, il faut comprendre que la Bible dit clairement, et l'homme ne se présentera pas devant ma face les mains vides. J'ai eu enseigné sur ça, je crois, la semaine passée. À Douala, montrant l'importance de l'offrande dans la foi chrétienne. Il n'y a pas de christianisme sans offrande. Ça veut dire que ce qui lie l'homme à Dieu, le langage de Dieu, c'est le langage du sacrifice et de l'offrande. C'est de l'autel et l'offrande. Autel, offrande. C'est-à-dire que même pour que l'humanité soit sauvée, Dieu a donné l'offrande pour que nous soyons sauvés. Il fallait qu'il sorte une offrande et qu'il bâtisse un autel pour le salut de l'humanité. Et cette offrande, c'était son fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, et l'autel, c'était la croix. Donc, et la Bible dit que lorsque l'ange de l'Éternel frappait Israël, et que David voulait arrêter la peste qui était en train de tuer des dizaines de milliers de Juifs, David a tout fait, il a prié, rien ne s'est passé. La plaie a continué, jusqu'à ce qu'il aille dans l'air d'Arafna, où il a bâti un autel et il a offert des bœufs à l'Éternel, et la Bible dit que là, la plaie s'est arrêtée. Donc, maintenant, nous devons comprendre que dans le Nouveau Testament, par exemple, la Bible explique, on a vu une femme veuve, on ne sait pas pourquoi elle était là, mais la Bible explique que Jésus s'est arrêté pour regarder ce que tout le monde donnait. Comme vous dites que Dieu est tellement intéressé dans l'offrande. Lorsque Gédéon, prenons même d'abord le père de Samson, hein, le père de Samson et sa femme, lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à la dame, à la mère de Samson, et qu'elle dise à son mari, la deuxième fois, lorsque l'ange leur apparaît à deux, et l'ange dit, je m'en vais, il dit à l'ange d'attendre, l'ange dit qu'il est pressé, il dit à l'ange, ah, je voulais te faire une petite offrande là, et l'ange a dit, ok, fais alors vite. Donc, Dieu, c'est les autels et les offrandes. Et l'homme se présentera pas devant ma face, les mêmes vies. Donc, c'est un principe que nous voulons enseigner aux chrétiens. Il n'y a pas de christianisme sans autel ni offrande. Voilà pourquoi Jésus a pris le temps pour nous enseigner là-dessus. Il dit, lequel est le plus grand? Entre le temple et l'autel. Il dit que c'est le temple. Il dit, lequel est le plus grand entre l'autel et l'offrande? Il dit que c'est l'autel. Donc, Jésus reconnaît que, en fait, il y a le temple, qui est la maison de Dieu, il y a l'autel et il y a l'offrande. Donc, il faut que l'Église puisse comprendre qu'il n'y a pas de service de Dieu sans donner. Ouais. Voilà pourquoi la Bible dit que servez l'Éternel avec les prémices de vos revenus. De vos services, tu avais les prémices de nos revenus. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, avant même que tu l'aies goûté, tu dois donner la part de Dieu. Donc, nous enseignons, nous inculquons ces valeurs chrétiennes-là aux bien-aimés. Et c'est ça que l'apôtre Paul dira que chacun de vous, avant de venir à l'église, doit d'abord préparer en semaine une offrande mise à part pour venir dans la présence de Dieu. Il dit, ne venez pas dans l'église et puis vous inventez l'offrande là-bas. Non. Il dit, il faut préparer en semaine ton offrande et quand tu viens dimanche, tu la donnes à l'Éternel. Voilà, et donc, pendant ce culte des plaintes qui se tiendra ce dimanche 25 juillet 2021, il y aura le service d'eau ointe gratuite, les stylos ointes seront disponibles, de même que l'huile de faveur. Parlons justement de l'eau ointe, quel est le mystère caché derrière cette eau ointe de Dieu? Déjà, il faut dire que l'eau ointe était déjà utilisée à l'époque de Moïse. Le mystère de l'eau était un mystère très puissant dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, cette eau était, elle sortait pour le jugement. C'est-à-dire venait juger, mettait la différence entre la justice et l'injustice, entre le vrai et le faux. Par exemple, lorsqu'une femme avait trompé son mari ou était accusée d'avoir trompé son mari, c'est l'eau ointe qu'on utilisait pour pouvoir savoir si elle avait trompé son mari ou bien elle n'avait pas trompé son mari. Donc, il y avait cette eau-là. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit que, je pense que c'est dans 1 Jean 5, verset 7, il dit que Christ n'est pas venu avec l'eau seulement, avec le sang seulement, mais aussi avec de l'eau.
Voyez. Donc Jésus n'est pas venu avec du sang seulement, mais avec de l'eau. Donc ici, Jésus lui-même dira que si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et sur la croix, lorsqu'on a percé le côté de Jésus, la Bible dit qu'il y a eu le sang et de l'eau. C'est ça que Jean dit, que Jésus n'est pas venu avec du sang seulement, mais aussi avec de l'eau. L'eau est symbolique. L'eau, c'est la purification. L'eau, c'est l'épuration spirituelle. Donc, il faut comprendre que l'eau est une grande puissance. Et l'eau est la représentation de Christ lui-même, qui est la source d'eau vive. Donc, il est une source d'eau vive qui nous donne la vie. Et nous savons que c'est par cette eau qu'est Christ, qu'Israël a remporté la bataille finale contre l'Égypte lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. L'apôtre Paul explique que c'était une figure du baptême. Et cette eau-là était un symbole, une figure de Christ, en qui la vie des Juifs a été cachée, elle a été préservée, et lorsque les Égyptiens sont arrivés, ils ont été noyés. Donc il faut comprendre que l'eau a une importance capitale dans la vie chrétienne. Le ministère de l'eau dans la Bible est redoutable. Donc c'est pour cela que nous croyons en cela. Et la Bible dit qu'on appelle eau ouin parce que c'est sanctifié par la prière. Le nom du Seigneur est invoqué. Et la Bible dit tout est saint pour celui qui est saint. Et Paul dit que tout est sanctifié. Jésus lui-même dit tout est sanctifié par la prière. Donc lorsqu'on prie sur ça, c'est une chose ordinaire. La même chose quand vous mangez et vous priez sur votre repas, ce repas est sanctifié et devient une chose sainte. Voilà, donc le culte des plaintes à l'Éternel, c'est ce dimanche 25 juillet 2021. À Yaoundé, c'est à 7h30 à la Bire. Et du côté de Douala, c'est à partir de 16h. Hein, dans bon dernier immeuble camelé, il y aura également le stylo ouin. Mm-hmm. Quelle est la valeur du stylo ouin? Voilà, il faut comprendre que il y a eu les formats ouin. Et puis les stylos ouin aussi pour accompagner les formats ouin. Vous savez, le Seigneur, quand il m'appelait, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas plusieurs, où est votre Dieu? Et il m'a dit, car voici venu le temps de l'encre plein. Ouais, c'est sur cette phrase-là que je me suis basé pour avoir l'inspiration, les formats ouin, les stylos ouin. Il dit, voici venu le temps de l'encre plein. Ça m'a pris des années pour comprendre ce que ça voulait dire. Jusqu'à ce que le Seigneur m'explique. L'encre, ça veut dire qu'il y a une plume, il y a un stylo. Et puis on n'écrit pas sur une table, on écrit sur un format, dans tous les cas sur un support. Et donc c'est le symbole, c'est une lettre à Dieu. Hein? Les formats ouin et les stylos ouin, on appelle ça ouin parce que nous prions sur ça. Je prie sur ça, c'est consacré à Dieu et son nom y est invoqué. Seigneur, que ta présence soit sur ces papiers, sur ces stylos. Et c'est quelque chose de normal. Donc à partir de ce moment-là, nous écrivons nos plaintes à l'Éternel, nous écrivons notre lettre à Dieu. Et nous postons ces lettres-là au ciel. C'est pour ça qu'à un certain moment, pendant le culte des plaintes, on se met à genoux. Nous tous, tout le monde se met à genoux pour nous humilier devant le grand Dieu, le Seigneur de l'univers, des choses visibles et invisibles. Donc le format ouin, puisque c'est le culte des plaintes, nous avons consacré ce format ouin et ce stylo ouin juste pour écrire les plaintes à l'Éternel. Maintenant, quelqu'un utiliserait encore ces stylos ouin pour nos élèves, par exemple, qui sont à l'école. Je crois fermement, ça c'est ma façon de voir Christ. Je crois que comme les gens vont chez les marabouts, d'autres vont chez les marabouts pour chercher les secours, etc. Nous avons dans l'église ce qu'on appelle le ministère des franges, qui est quelque chose de puissant, mais que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris. Voyez. Par exemple, Dieu veut sauver Israël, il donne un bâton à Moïse. Moïse pouvait sauver Israël sans rien. Dieu veut que Élie marque sa génération et lui donne un manteau. Et c'est par ce manteau qu'il y a des miracles extraordinaires, comme la division du Jourdain qui se passe. Donc, à chaque moment, quand Israël est arrivé, par exemple, aux eaux de Mara, c'est une plante que Dieu a montée à Moïse. Moïse pouvait dire que l'eau soit assainie. Le prophète Élisée, plusieurs fois, on a dit l'eau aussi est empoisonnée, elle n'est pas potable. Il demande un plat neuf et le sel. C'est ça qu'on appelle le ministère des franges ou le ministère des objets. Donc, c'est des choses sanctifiées. Donc, le format ouin est sacré, le stylo ouin est sacré. Mais hormis utiliser ça pour le culte de plainte, chaque croyant peut utiliser ça dans son bureau, donner à ses élèves, et ses enfants qui fréquentent, etc., leur envoyer cela, tout en croyant que comme le nom du Seigneur y est invoqué, sa faveur sera avec ses enfants pendant l'examen. Et je crois que Dieu agit lorsqu'il y a une telle foi. Voilà, donc au départ, le culte des plaintes avait pour épicentre Yaoundé seulement, d'abord avec le palais des sports, ensuite le palais des congrès et puis la Bire. Mais depuis l'année passée, il a été déporté à Douala. Pourquoi cette déportation? Il faut dire que l'église de Douala est une église qui a un très grand avenir. Vous voyez, c'est une église qui a un grand potentiel.
Le peuple de Douala, c'est un peuple qui est très mobilisé en ce qui concerne l'évangile. Et donc, c'est important pour moi de leur donner l'occasion. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas venir au culte des plaintes à Yaoundé. Mais le début, le culte des plaintes, c'était l'occasion pour que tout le monde se rassemble. Mais j'ai décentralisé Douala parce que le Cameroun, on va le diviser en deux. C'est-à-dire qu'il y a le centre et ça prend tout le nord. Tous ceux qui sont au nord, ils descendent à Yaoundé. Et il y a Douala, tous ceux qui sont vers nord-ouest, sud-ouest, ouest, etc. Eux aussi peuvent descendre à Douala. Ça fait qu'on a deux pôles pour couvrir toute la nation. Donc, c'est, je pense que c'est ça la première motivation. Mm-hmm. En dehors des populations qui doivent se mobiliser, il y a également les assemblées de ma ministre Michel. Et vous avez justement interpellé tous vos pasteurs pour qu'ils viennent avec les brebis des délégations, donc pour assister à ce culte des plaintes. Mm-hmm. Pourquoi cette forte mobilisation? Non, attendez, vous savez qu'à Silo, lorsqu'on parle de Silo, ça veut dire que la rencontre du peuple de Dieu à Silo, c'était tout Israël qui allait à Silo. Donc, il faut cette façon de servir Dieu dans notre génération. Il faut des occasions où un croyant qui est à Garoua, un croyant qui est à Ngaoundéré, un croyant qui est à Bafoussam, se disent que je mets mon transport de côté, j'irai écouter l'homme de Dieu. C'est seulement parce qu'aujourd'hui, les gens ne voient plus les hommes de Dieu comme sacrés. Ce que vous recevez par mes fils, c'est différent de ce que vous recevez par moi-même. C'est moi le visionnaire. C'est à moi que le Seigneur est apparu. Donc, pour chaque chrétien de la congrégation baptiste paroisse Réma, ça devait être un défi. Je ne manquerai pas culte des plaintes. Moi et ma famille, on a 3 mois de préparation, on prépare. Les 3 mois, 3e mois, je vais là-bas. Je vais écouter la parole de l'Éternel dans la bouche de l'homme de Dieu. Les gens disaient, j'irai à Silo écouter le souverain sacrificateur Élie. Donc c'est important. Donc nous voulons que les gens, et puis ça nous permet d'avoir une communion ensemble, et ça nous permet aussi de passer des annonces pour toute l'église, et ça fait que tout le monde se connaît. Tous nos pasteurs sont obligés d'être là, et je pense que c'est ça le but. Venez écouter la parole de l'homme de Dieu lui-même. Et à votre niveau, puisque l'événement c'est ce dimanche 25 juillet 2021, 7h30 à Yaoundé à Labi, 16h à Douala, êtes-vous prêt, homme de Dieu, déjà à donner au peuple de Dieu ce que l'Éternel a mis en vous? Je suis prêt avant même que la date ne soit fixée. Donc, ma question c'est plutôt, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que toi qui me regardes, tu es prêt? Est-ce que ta famille est prête? Ne manque pas ce dimanche 25 juillet. À partir de 7h30,